En mai 2023, nous sommes fiers à Oberhausbergen d'accueillir le 3e forum des peuples racines. Il aura lieu donc ici, au Préau, et nous sommes ravis de découvrir ces cultures, de les partager avec vous. Et puis surtout, c'est ce que nous faisons au quotidien, partager, écouter, échanger. Donc rendez-vous à partir du mois de mai pour le peuple racine ici au Préau. Ici, nous sommes au cœur du centre culturel de la commune d'Oberhausbergen avec une médiathèque, une salle de spectacle et une école de musique et de danse. Et nous allons avoir le plaisir d'accueillir d'autres cultures qui viennent d'autres bouts du monde, d'autres coins du monde, des cultures qu'on ne connaît pas, qu'on va découvrir, qui vont nous enrichir. Et je suis sûr que le public et les usagers de ce centre culturel seront ravis de se précipiter le 31 mai, le 1er et le 2 juin pour voir comment vivent les hommes et les femmes de l'autre bout du monde. Quand nous avons été invités à être partenaires de ce forum Peuple Racine, moi j'étais ravie. J'étais très contente de savoir qu'il y avait les Guarani, un peuple brésilien, qui était parmi ces peuples invités, et de pouvoir aussi présenter à la population d'Oberhausbergen des tas de peuples venant de quatre coins du monde et qui ont d'autres manières de vivre, d'autres manières de s'exprimer, d'autres modes de penser. Et ça, c'est très, très important pour moi en tant qu'élue et puis aussi en tant que brésilienne, parce que moi-même, j'ai dans ma génétique 25% d'indigènes des Guarani du Brésil. Alors pourquoi participer et m'investir dans cet événement? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup dans la superficialité, dans le virtuel. Et voilà, quand j'ai su qu'il y avait des peuples racines qui allaient venir à Oberhausbergen, ça va nous renvoyer en fait notre image originelle, c'est-à-dire qui nous sommes, notre mode de vie, notre origine, nos racines. Et donc, étant malgache, étant donné qu'il y a des peuples racines qui viennent de mon pays, donc les Betsimsarak, bien évidemment, j'ai sauté immédiatement dans cet investissement extrêmement important, à la fois pour notre commune, mais aussi pour notre communauté malgache qui est implantée à Strasbourg, en Alsace. Et donc, voilà pourquoi je m'investis là-dedans. Au périscolaire, nous sommes très heureux de participer au forum Peuple Racine. Les enfants ont choisi de suivre le peuple des Mayas qui réside dans le sud du Mexique. Une aventure extraordinaire qui leur permettra de suivre et de connaître les coutumes et la vie de ce peuple. Ils pourront également les rencontrer lors de leur venue sur Oberhausbergen fin mai, début juin, une vraie chance pour eux.